Bienvenue ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde. Et salut. On espère que vous allez bien. Et que vous avez passé une bonne semaine. Bon bah là on se retrouve avec un nouveau bébé. Un gros bébé. Mais c'est pas le nôtre, non. Non, c'est un Renault Master 3 de 2021. C'est le 130 chevaux, si je ne fais pas d'erreur. Le 2 litres 3, voilà. Donc un L3, ouais, H2. H2, voilà. Comme le nôtre en fin de compte, c'est juste que c'est la nouvelle phase. Il est plus récent, bien sûr. Donc lui, il est là pour un aménagement complet. Des clients nous l'ont confié, donc on a décidé de vous partager ça. Alors ça ne va pas du tout être le même aménagement que le nôtre, bien sûr. C'est différent. Je précise quand même, on a eu l'accord des propriétaires pour filmer l'aménagement. Bien sûr, sinon on ne filme pas. Ouais. Donc voilà, on a eu donc leur accord pour pouvoir le filmer, comme ça on va pouvoir vous partager tous les travaux qu'il va y avoir dessus, de A à Z, en commençant par les ouvertures, parce que c'est le départ d'ailleurs, les ouvertures. Non, c'est pas le départ, il se trompe, il y a déjà tout à vider. Et ouais, parce qu'en fait il est déjà tout plaqué. Donc bah si. Il faut enlever la cloison de séparation. Donc moi, je veux percer. Oui, voilà. Je vous rappelle, c'est faire des trous. C'est le perceur fou. Voilà. Des petits trous. Mais avant de faire des trous, des trous. On va devoir démonter des choses. Oui, il faut. Il va falloir patienter encore un peu. Voilà, c'est ça. On va vous montrer l'intérieur, hein, bien sûr. Ouais. Pendant qu'on y est. Vous allez voir, il est vraiment en super état. Il est comme neuf. Hein, comme il neuf, a 40 000 km, ouais. Il me semble, quelque chose comme ça. Il est vraiment très très beau. Bon, il a quelques petites pignes, mais c'est vraiment rien du tout. C'est des bricoles. Il est vraiment très très beau. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette phase comme ça là. Et moi, le Renault, j'aime beaucoup le Renault. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, à part parce que ils sont jolis, ils se conduisent très bien, ils consomment très peu. Ils sont très confortables. Ils sont très très confortables à conduire. Voilà, même en tant que passager, vraiment, c'est confortable. Si on ne change pas la banquette, ouais, franchement, ça va. Ça reste correct, hein, vraiment, ça reste correct comparé au Ducato, au Boxer ou au Jumper. Nous, on roule régulièrement avec la dépanneuse qui est un Boxer. C'est la même chose que le Ducato, en fin de compte, hein, une 2007. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment pas confortable. On se fait le cul et le dos. Non, voilà. c'est vraiment désagréable. On conduit tous les deux, donc chacun, on a testé le siège passager, hein, la banquette, et c'est vraiment pas confortable. Non. Sur le Renault, il y a vraiment un confort extra. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, ça change vraiment des autres. Alors, on en voit de plus en plus. Hein, c'est vrai, on en voit de plus en plus. Et moi, ouais, moi je suis fan de. Voilà. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur Renault. J'entends, je suis d'accord, il y a des moteurs ou des choses qui voilà, bah, il y a quelque chose qui se dit quand même, c'est achète une Renault et tu finiras à vélo. Ouais, ou alors si tu as une Renault, tu vas chez le mécano. Mais on a eu quand même pas mal de Renault quand même. Mais achetez un Boxer et vous serez emmerdé tous les 4 matins. Leur moteur, c'est des vraies merdes, j'en ai l'expérience. Voilà, donc nous on a mis un moteur de Ducato dans le nôtre, le moteur Iveco, qui est beaucoup plus solide. Même si on n'a pas trop le droit, on a fait cette modif et on l'a mis dedans. Voilà, c'est un véhicule qu'on ne vendra pas. Mais du coup, pour vous dire, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Renault. Moi, je trouve qu'ils se sont quand même pas trop mal arrangés. C'est plutôt sympa. C'est des véhicules qui sont très jolis esthétiquement. Même intérieurement, ils sont très sympas. Et voilà, franchement, ça là-dessus. Et à conduire, vraiment, je préfère 10 fois le Renault que le Boxer. Hein, mais bon, Ducato, ça, etc. Je pense que vous l'avez déjà assez entendu. On vous l'a déjà répété maintes et maintes fois. Mais après, si j'ai un Boxer et que je dois l'aménager pour nous ou quoi, je le ferai. Il n'y a pas de. Voilà, mais j'en suis pas fan. Enfin, le Boxer, je le ferai pas, ça, c'est sûr. Pour moi, en tout cas. Boxer, nous, Jumper, ouais. Je le ferai pas. C'est les 2 litres 2, là, c'est des vraies merdes. Donc, je le ferai pas. Voilà. Mais allez. Ducato, je le ferai. Stop. D'accord. On vous montre l'intérieur. C'est parti. C'est parti. Bah alors ça sonne. Voilà, c'est un intérieur qui est nickel, qui est entièrement vide bien sûr. Donc ça, nous allons l'enlever. Ça va partir aussi. Toutes les cloisons intérieures vont s'en aller et ne vont pas être réutilisées car ce n'est pas le bois que nous on utilise. Celui-là marque très très vite. C'est vraiment un bois d'aménagement, enfin de protection, on va dire.
voilà, qui est très bien, mais nous ça, on ne le réutilise pas. Le plancher, on l'enlève et on ne le réutilise pas à cause des trous qu'il y a ici. On pouvait le réutiliser, hein, mais à cause des trous là, on ne va pas le réutiliser parce qu'il faudrait les boucher et tout, c'est compliqué, c'est galère. Donc voilà, tout ça, on enlève, on va le vider entièrement, voilà. Et ensuite, eh ben, une fois qu'il sera vidé, un petit coup de nettoyage, et on pourra commencer les ouvertures et l'isolation, l'électricité, le plaquage, l'aménagement, et puis après, il le récupère. Ouais, enfin, on n'en est pas là encore. Non, il y a encore du temps. Allez, c'est parti, on va vous montrer les étapes petit à petit. On est équipé, dit Makita. Makita est avec nous. Et on va attaquer du coup le démontage. Alors, on va enlever tout ce plaquage. Parce qu'en fait, il est doublé. Il y a une plaque et derrière, apparemment, il y a encore l'espèce d'isorelle d'origine qu'ils mettent. Voilà, donc, il faut tout enlever. Donc voilà. Mais avant ça, on va vous partager le plan. Voilà. Ouais. Du futur aménagement. Voilà. Allez, c'est parti. Pas besoin de ça, tu le fais juste là, un petit trait. Je vais pas pouvoir. Mais si, en fait, ça sert à rien d'en faire des. N'importe quoi. Il me prend vraiment pour une incapable. Tu vois là? Non mais. Oh là là. Ah, c'est un truc de ouf, je vous jure. Hein. Ah, je veux... Il n'existerait pas, on l'inventerait, je crois. Bah oui, je manquerai à tout le monde. Ça vous convient? Ça dit combien là? 59,2. Bon, est-ce que après tu fais avec un semestre, je sais pas, mon ami. Mais tu comprends pas.
Bon, alors vous l'aurez compris, on est en train de faire les encadrements. On est en train de faire les encadrements pour le grand lanterneau. Et oui, parce que celui-là aura un grand lanterneau. Il est juste magnifique. Sirenou. Bon, alors voilà. Là, en cette première journée, on se sera occupé du démontage. On a tout déshabillé. Des parois, ouais, voilà. Et on s'est donc occupé des encadrements des baies et des lanterneaux. Voilà. Après, à démonter, il nous reste encore tout le dessus de la cabine. Enlever toute la moquette, là, enfin, tout le ciel de toit. Là. Faut qu'on enlève toute cette partie cartonnée, là, de ciel de toit. Faut qu'on enlève ça parce qu'on le vire. On met autre chose à la place. Ça, on l'enlève. Donc voilà, on aura bien avancé. On a repris des mesures pour voir au niveau de la cuve d'eau. Ouais, la cuve d'eau, parce qu'on met une cuve d'eau qui va passer au-dessus du passage de roue sur celui-ci pour gagner de la place, en fin de compte, hein, dans les coffres, pour avoir moins de... Enfin, pour pouvoir avoir plus de rangement, en fin de compte, il y a déjà d'autres choses qui vont être dans les coffres, c'est déjà prévu. Donc, en fin de compte, ici, on aura la cuve d'eau. Et voilà, je regardais pour avoir ma trappe de remplissage ici, mais qui serait au-dessus, parce que c'est quand même assez haut, hein, vu que c'est au-dessus du passage de roue. Hein, c'est quand même assez haut. Donc, voilà. Il nous manquait quelques vis. Ben, il y a des grandes, ouais. Il fallait des très grandes vis pour les... Pour les encadrements. Pour les encadrements et pour le grand lanterneau, parce qu'on a décidé de mettre un entourage assez quand même... Costaud, ouais, assez gros. C'est pas... C'est une préférence et ça va solidifier le tout, en fait. Voilà. C'est ça. Donc voilà, mais c'était une bonne là, première journée. Prochainement, du coup, ça va être la pose du grand lanterneau, du petit lanterneau. Parce qu'il y aura donc deux lanterneaux et deux baies. Un lanterneau dans la partie, on va dire, salon. Il va être là. Voilà. C'est ça. Et un lanterneau qui sera dans la douche. Qui va être là. C'est ça. Après, il y aura... Le plus possible par ici. Ouais, parce qu'après, il y a le panneau solaire. On a voulu quand même... Là, en fait, sur ce camion, il va y avoir une autonomie électrique assez importante, on va dire, en quelque sorte. Donc, en fait, il y aura un gros panneau solaire, un 400 watts. Et donc, on a un petit peu galéré quand même à trouver ce qu'on voulait, parce qu'il fallait respecter une certaine cote pour qu'il aille sur le côté. Et en fait, il va être à côté du lanterneau. Voilà. Donc, normalement, on est parti. Nickel. Donc, c'est pour ça, on est obligé de le mettre ici. Bon, ça, après, c'est pas gênant, parce que de toute façon... C'est ça, et puis après en ce qui concerne donc les baies, il y en aura une sur la porte arrière et une sur la porte latérale. La porte arrière droite. Ouais, et sur la porte latérale aussi. Sur la porte latérale et c'est tout. Et voilà. Que ça comme baie. Bon, une grande, hein, sur la. C'est une 800 par. Je sais plus combien, c'est quand même une grande ouverture. Parce que du coup, comme vous avez vu sur le plan, ici il y aura un petit canapé en L, en fin de compte, qui va faire couchage, où il va y avoir la table. Et ici, et du coup, il y aura une vue sur l'extérieur. Ici, donc, le lit, avec les têtes de ce côté. Hein, donc, c'est prévu comme ça, parce que ici le placard sera plus grand que ce côté-là. Voilà, le placard sera un petit peu plus profond, placard haut. Donc, ici, un peu moins profond, donc les têtes de ce côté-là. Voilà. Et pour moins se sentir renfermé, vu qu'ici, il y a le mur de la salle de bain. Et bien en fin de compte, là il y aura la cuisine et une petite séparation, mais légère. Légère, ouverte. C'est une déco, ouais. C'est plus une déco qu'une vraie séparation. Et du coup, voilà, le lit va faire presque 150 en partant des portes arrière. C'était une demande des clients parce qu'on avait prévu 140 des portes arrière, mais comme il y a un léger décroché, et ouais, des portes arrière, ça le rétrécit un peu. Donc on l'a augmenté. Comme le nôtre. Ouais, on l'a augmenté légèrement parce que là c'est vraiment. Un couchage qui va être fixe, on va pas pouvoir le. Il va pas agrandir comme le. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc bah écoutez, on vous dit à très vite pour la suite. Bye bye. Salut tout le monde. Salut. C'est le deuxième jour et là on s'attaque à ce que Doudou aime le plus. Des trous. Vous voyez la tête de sadique qu'il a. Une petite loupe. Du coup, on a deux lanterneaux à poser. Ici
Et ici, il faut que je recalcule, c'est par là. Et deux baies, une sur la porte latérale et une sur la porte arrière. Ouais. Voilà. Et aussi la trappe à eau et la prise P17. Ouais, mais ça, ça sera peut-être pas dans le jour 2, suivant comment on avance. Tu vois. Oui. Voilà. Il y a ça aussi installé dans les trous, il y a ça. Ouais. Donc voilà, donc bah écoutez, on s'y met, on filme ça tout de suite. Ah ouais. Go. Voilà, on est sur la mise en place du premier lanterneux. Le plus grand. Il est trop beau. Ah ouais, il est magnifique. Avec le blanc et tout là. Très très beau. Je vais en enlever un moi et mettre ça à la place. Non, ça sera sur un prochain. Mais pas sur Balou. C'est dommage. Je reviens dans le. Bon, alors on crée un gabarit pour ensuite le reporter sur le scotch papier qu'on a posé. Pour en fournir le gabarit. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur de coupeur. Nickel. Je préfère, c'est l'autre qui me tourne. Surtout celui-là. Comme ça, je peux vraiment passer, enfin, caler mon trou comme j'en ai envie. Voilà. C'est pas mal. C'est très bien.
En fait, il me faisait chier. Nickel. Là, je mets le cadre. De prendre l'autre en boucle et la base de bête, là il est pas trop. Ouais.
sur la table bleue. Ouais, ouais. Bon, alors, le pistolet à quoi, le Max, bien. C'est une tuerie. Doudou, il est super content, puisque, ah ouais. En fait, il arrive à vider les cartouches entièrement. Parce qu'on a eu des échos, notamment d'abonnés, mais aussi sur Internet. Les Ryobi, déjà, il ne les vide pas. Voilà. Et là, celui-là, il le vide vraiment. J'ai essayé, arrivé à la fin de la cartouche, je me suis dit, bon, à mon avis, il n'a pas du tout vidé. J'ai pas pu filmer, mais on vous montrera après, du coup... Puisque là on est sur le grand lanterneau. Là on est pris par le temps là, hein, on peut pas. On est sur le grand lanterneau, mais après on a le petit et les deux baies encore à poser. Voilà. Parce qu'aujourd'hui ça aurait été la journée idéale. Parce qu'on arrive vraiment à un temps magnifique pour pouvoir poser ces baies là et ces lanterneaux. Là, on est arrivé à la fin. Donc, si je fais ça, je le mets dans le pistolet à main, j'ai rien qui sort. Elle se vide. C'est nickel. Ah ouais, c'est bien, mais il n'y a pas... Ouais. C'est vraiment bien. Est-ce qu'après, il va falloir tout ramasser? Si je mets tout. Ça sert à rien de le laisser en haut, je le mets en bas, on ramasse en bas. Sinon, de toute façon, dans tous les cas, sinon, il faut ramasser en haut. Ils sont bien ces lanterneaux parce qu'ils sont petits, franchement ils sont pas très chers, ils sont plutôt corrects, hein, vraiment pour une salle de bain et tout, mais alors putain niveau fixation. Qu'est-ce que c'est comme merde. Il m'a manqué une vis. Putain. Ça a bien débordé.
mets le cadre. Alors, faut y avoir un sens, hein. Bah oui, mais moi, je l'avais mis dans le bon sens, mais vite, t'as... Non, j'y ai pas touché. Le cadre, je l'ai pas touché. Non, mais t'as touché la baie, donc tu m'as perdu. Pourquoi ? Elle a fait bien, normalement, non ? Ça n'est pas rentré. Je comprends pas. Prends les chars joints. Oui, c'est là qu'ils sont. L'intérieur ? Bon, nous voici sur le jeu de poids. C'est le jour 3. Jour 3. Jour 3. On se fait ça. Non, on n'a pas le droit d'auteur. Du coup, jour 3, eh ben, on est toujours dans les trous. Pour le plus grand plaisir de Doudou. Et là, on va surtout du coup s'attaquer au trou de la prise P17. Et de la trappe d'Elo. Voilà. Bah, nous, on met ce modèle. Caché, en fait. On met pas juste le truc avec le bouchon. On n'aime pas. On aime bien que ça soit caché. C'est plus joli. C'est plus esthétique. Alors, sur Bob, sur celui d'Emma, vu que c'était de la récup, à la base, on devait mettre justement un bouchon comme ça. Donc, on en a racheté un comme ça. Était moins cher, voilà. Un peu moins cher, mais là c'est plus esthétique en fait, c'est plus discret. C'est ça. À part le petit robinet qui est dessus, c'est pas que c'est un bouchon derrière. Donc voilà, et aussi on va installer fixation du panneau solaire. Le panneau solaire qui est juste là, un beau bébé. Faire passer les câbles du panneau solaire avec le passe-toit pour le panneau solaire. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc... Bah, c'est déjà pas mal. Non, bah, voilà. Mais déjà, faire tout ça, le panneau solaire, ça va être le plus compliqué. Bien mettre les cales en place avec le panneau solaire. Pour c'est bien ce qui va nous prendre le plus de temps. Quoi. Pour bien se mettre en place et tout. Et voilà, parce qu'après, les trappes, en soi, s'il n'y a que celle de l'eau, où il faut vraiment être sûr de là où on perce, parce qu'il ne faut pas se planter. Parce que comme on a décidé de mettre un réservoir là, au-dessus du passage de roue pour gagner de la place, il faut être sûr de là... où va tomber la trappe. Pour le remplissage, il faut pas qu'elle soit trop basse, faut pas qu'elle soit trop haute, parce qu'après il y a un montant. Donc dans tous les cas, je peux pas aller au-dessus du montant. Donc je pense que je vais être juste en dessous du montant. Et je pourrais pas aller au-dessus. Allez, on va regarder tout ça. Et on vous montre ça tout de suite. On boit un café ? Non. Hein ? T'as déjà bu un café, toi ? Ah ouais, un café. Alors, un dehors. Ouais, mais tu perces dans le trait, là, derrière le trait. Là ? Oui, personne. Là, juste après. Thank you.
façon, il descend. Soit je le mets là, soit je le mets là. Bah, le soin, soit c'est celui-là. Il faut qu'il soit plus haut. Il faut que le truc soit juste au-dessus. Je dirais là, non. Allez, cherche. Chercher quoi? Le bois et le truc. Bon, bah voilà, on en a mis dessus. Bien. Il y a un peu de colle qui est sur le plastique noir. C'est pas grave. Bon alors, on a créé à l'aide de barres comme ça. En PVC. Ouais. Pleine, hein. Ouais, elles sont bien pleines. Justement, comme ça, on a créé des petits des entretoises, en gros, qui vont être peintes en noir et qui vont être collées ici, pour que le panneau solaire il soit un tout petit peu plus haut, qu'il arrive. Et hop. Comme ça, le panneau solaire, lui, sera bien à sa place. Plutôt que, en fait, il soit... Bon, bref. Plutôt qu'il soit collé en bas, donc vraiment plus sur le toit du camion, et ce qui va être pas top, et que là, il y a un gros jour, et que ce soit la vis ici qui vienne l'écraser... Ben en fait, il sera bien à sa place et la vis viendra juste le bloquer. Voilà. Donc ça, ça sera comme ça partout. Bon, bien sûr, on ne va pas les laisser blanches. Non, on va les peindre en noir. Ouais, voilà. Enfin, toutes les faces sauf une. Celle-là, on ne va pas la peindre. D'accord. Ben, pour que ça adhère bien, comme ça, on ne la peint pas. C'est bon. Allez. Est-ce que tu peux me choper le reste du machin blanc là? Bon alors le panneau solaire, on a oublié de le mettre à ras, on va dire à fleurs, parce que bah, comme vous le voyez, le toit n'est pas lisse. Non, et on a ce lanterneau là. Et on a le lanterneau. Après on avait pris la mesure du lanterneau, on avait choisi ce lanterneau, enfin c'est lanterneau, le seul pas du panneau tout. Solaire, c'est assez panneau gros. Solaire. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est un 400 tours 400 watts. Je pense que c'était un peu plus. Non, c'est un 400 tours. Mais du coup, voilà, plus. On a tout. On a fait en fonction que le panneau solaire, bah, du coup, tienne par rapport au lanterneau. Qu'on a emmené aussi le maximum de l'électricité. Et voilà. Donc là, vous l'aurez compris. Lui fait des marques pour pouvoir ensuite percer.
J'ai les jambes éclatées. Voilà. À être à genoux. Là, c'est de plus bien. Ah ouais, mais ce qui s'est trop écrasé, peut-être. Ah, c'est bon, j'en ai marre.